Alors, je pense que la reconversion, il faut en les préparer, essayer pendant sa carrière de faire un peu des choses différentes, voir d'autres milieux, essayer de trouver ce qui nous pourrait nous convenir après pour se reconvertir. Moi, j'ai eu la chance, j'ai voulu pendant ma carrière faire des études parce que pour moi, c'était un équilibre vraiment de faire autre chose, de voir un autre milieu. Puis surtout, j'étais souvent blessée, donc ça m'a permis de faire des examens et pas que des examens physiologiques, mais des examens scolaires et universitaires pour progresser, pour apprendre d'autres choses. Et ça, c'était important pour moi, pour savoir quelle voie j'allais ensuite tracer après ma carrière. Quand on arrête, on ne sait pas forcément ce qu'on a envie de faire, on n'est pas forcément conscient de ses qualités ou de ses défauts. Mais aujourd'hui, il y a pas mal d'organismes qui proposent cela. Et je pense que ça, c'est important. Après, le plus important, c'est pour moi de savoir quand on va arrêter sa carrière, mais surtout de décider soi-même et de ne pas le subir par rapport à des blessures ou des mauvaises performances. Il faut être acteur déjà de sa reconversion.